ça, c'est la plus grande boîte mystère que j'ai pu acheter sur Wish. Et elle m'a coûté 1000€. Mais j'ai aussi acheté une boîte mystère Wish à 500€. Et plein d'autres boîtes mystère Wish à un prix inconnu. Et avant de déballer la plus grande boîte mystère Wish au monde, j'ai réuni 3 de mes amis juste ici. Et les règles sont simples. J'ai commandé une montagne de boîtes mystère sur le site Wish. Et chaque boîte que vous choisirez aujourd'hui, elle vous appartiendra pour le reste de la vie. Ça veut dire que là, c'est simple. Tu prends cette boîte. S'il y a quelque chose de bien à l'intérieur, ça t'appartient. S'il y a quelque chose de nul, ça t'appartient aussi. C'est un iPhone, c'est sûr, ça. Je vais pas l'ouvrir. Oh, c'est une dinguerie. Et tout vient de Wish. Qui veut commencer? Moi direct. Il a toutes les boîtes, les gars. Prends quelle boîte? Les autres, attaque à tout le monde. Celle-là, boîte mystère, mon pote. Ah, c'est sûr, il y a un bon truc, les gars. Ah, j'espère t'as rien. Mini Crypto a tiré une boîte mystère de Wish. On va voir s'il touche le pactole ou s'il a rien du tout. Moi, je veux le pactole, c'est parti. Ok, vas-y, ouvre. PS5, les gars. Quoi? Mais quoi? Mais non, mais c'est. C'est pas une PS5, les gars. C'est une PS5 de Wish. Mais non, frère. Les gars, je crois qu'il est tombé sur une box mystère de Wish, mais de jeux vidéo. Regardez-moi, les gars, c'est une fausse PS5. C'est pas fini. Ça marche au moins? Il y a un faux casque. Les gars, il a tapé ça, les gars. Une fausse PS5 et un faux casque. Et en finition, il y a un truc Mario, frère. Franchement, ta boîte est pas mal. Elle est bien, ça vaut cher. Ça vaut cher. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est une PS5 de Wish. Une fausse PS5. GS5. C'est une GS5. Attends, on voulait voir comment ça. Elle m'a l'air petite. Ah, t'as tourné les jeux? Ah, ça veut dire que là, tout m'appartient. Oh, ouais, elle chute, mais c'est la Play 1, les gars, c'est la, non, Play, c'est la 1. Play 5. Mais regarde, mais c'est la manette de la Play 1. C'est quoi ça, les gars? Tu t'es fait arnaquer. Qu'était la Play 5, les gars, tu vois quoi? Il y a même les câbles et tout. Ça se voit, ça vient de Wish, les gars, ça sent fort. Je pense que tu mets toute pas dessus, elle brûle. Hein. La vérité, box, pour moi, elle regarde ça. C'est une dinguerie, Mini Crypto, t'as payé une fausse PS5 de Wish, les gars. Regardez comme elle est minuscule. Tu penses elle marche ou pas? C'est sûr, elle marche. Moi, je pense qu'elle marche pas, les gars. Moi, je sais pas, moi, c'est pas possible. Les gars, ça vient de Wish, les gars, ça vient de Wish. Le casque, mais c'est compatible avec. Regardez le casque. Ah, tu peux écouter des trucs avec un micro et tout. Regardez, les gars. Ah, du temps, plutôt que ce soit écrit PS5, c'est écrit GS5. Ah, moi, dis, les gars, elle marche pas. Il va la brancher, tout va péter dans ta maison. Ah, t'entends des trucs? Oh, les gars, j'entends rien, frère. Faut l'allumer, y'a pas de quoi allumer. Fais-en mal, les gars, y'a pas d'électricité, les gars. Ça fait déjà un petit peu. Mini Crypto a tapé une box gaming avec une GS5, une fausse PS5, un casque pour PlayStation 4. Mais plutôt que ce soit écrit PlayStation 4, c'est écrit P4. Et avec un petit porte-clés à la fin. Et un petit porte-clés. C'est vraiment un Wish, les gars. Tu penses ça vaut combien? Franchement, les gars, moi, je pense ça vaut un petit 50€, ça. Les gars, elle est 10 fois plus petite que la PS5. La PS5 vaut 500€. Si tu divises 500 par 10, ça fait 50. Ok, j'accepte, ça fait plaisir, les gars. Les gars, première box, j'ai vraiment eu de la chance. 50€, les gars, on démarre bien. Sachant que ça vient de Wish, les gars, 50€, ça fait toujours plaisir. Mini Crypto a réussi à taper vraiment une bonne boîte mystère. Et là, je pense, c'est au tour de Zach. Ça m'entoure, les gars. D'accord, c'est d'accord, les gars. Les gars, je prends celui-là. Mais j'ai un peu, y'a plein. Mais y'a les gars, écoutez-moi, les gars, regardez, y'a du polystyrène qui est du polystyrène. Mais y'a plein de gros colis en bas. Mais alors, moi, c'est sûr, c'est un téléphone. Moi, les gars, si je suis quelque chose, je prends direct une grosse boîte. Moi aussi, pareil. Regardez, les gars, hop, petite boîte, ça veut dire iPhone. T'as pas vu un truc, frère? C'est écrit en chinois dessus. Shipping, AE, chinois. Déjà, c'est directement Made in China, ça vient directement de Wish. Zach, d'accord, les gars, il a vraiment tiré la pire boîte pour moi. Les gars, je le sens pas vraiment. Vas-y. Ah, il y a du papier bulle, les gars. Moi, je crois encore mon iPhone. C'est un iPhone. C'est un iPhone. Il m'a envoyé un courrier. C'est une lettre, les gars. Il a acheté une lettre. Il m'a envoyé un courrier. Tu vas acheter des lettres maintenant sur Wish? Il a reçu un catalogue, les gars. Moi, il m'a envoyé des codes promo. Il a acheté des codes promo, les gars. J'ai jamais vu ça. Mais les gars, ils ont arnaqué. C'est écrit Wish, les gars. Je vais cacher mon adresse, mais c'est écrit Wish, les gars, ici. Ça vaut 0€, ça. Ça vaut rien. Ça, c'est GTM. Ça vaut 0. 0, ça coûte ta casse. Il envoie une lettre, les gars. On pensait que Zach avait un colis totalement nul. Mais en fait, au fond de la lettre, en fait, Wish qu'ils envoyaient, c'était des autocollants dans cette boîte mystère. Au lieu d'être totalement nul, il est juste nul, mon colis, c'est tout. Ça, pour moi, c'est ce que Wish, ils envoient gratuit pour faire leur pub. C'est nul. C'est gratuit, mon pote. Ça change rien à ce qu'il a gagné, les gars. Tema, il colle même pas, Tema. Même l'autocollant, il s'arrête à se barrer. Pour moi, c'est quelque chose qu'on a gratuitement sur le site Wish. Ça vaut 0€. Zach, ta cagnotte est de 0. Ça commence mal, les gars. Zach vient d'avoir une boîte super nulle. Et là, c'est à mon tour. La meilleure, c'est la plus grande. Les gars, elle m'annonce rien de bon. Pour moi, c'est elle qu'il faut. C'est la plus grande de toutes les boîtes. Attends, est-ce que tu auras de la chance? Mais j'aurai de la chance, frère. Elle est lourde ou pas? Déjà, elle est lourde. Et les gars, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a une rumeur qui dit que si vous vous abonnez et que vous likez cette vidéo maintenant, je vais avoir quelque chose de fou dans cette boîte. Donc faites-le. Et on va voir, les gars, si ce. On va voir si cette rumeur est vraie ou pas. C'est parti, les gars, faut ouvrir. Let's go. On va ouvrir direct, gros. Elle est combien, cette boîte? C'est quoi ce carton? Regarde-moi ça. C'est quoi, c'est une box mystère? Les gars, je t'appelle une box mystère spéciale football. Mais c'est tout le PSG, moi. Les gars, c'est le ballon du PSG. Guettez, Mbappé qui a signé, frère. Arrête. Mbappé qui a signé. Ça se voit, c'est des fausses signatures. Mais non, c'est du vrai, frère. Les gars, dans cette boîte, il y a que du foot. Et là, Mini Crypto, pour lui, c'est des vraies signatures de joueurs de vrai, foot. Les gars. Les gars, sur le ballon, il y a écrit Mbappé, Neymar. C'est vraiment une dinguerie. Mais moi, je vous dis les termes, les gars. Ça vient de Wish. Ça peut pas être un vrai ballon signé par les joueurs. Il y a le code, regarde. En mode, c'est le code officiel du PSG. C'est le code officiel du PSG, ça. Made in China. Tu crois, en Chine, il y a Mbappé?
payer Neymar et tout, c'est pour qu'il signe en Chine. Mais il fabrique le ballon en Chine après signe. Mais ouais. Les gars, ça se voit, c'est faux, regarde. Mais mon doigt dessus, ça part pas la signature. Pour moi, les gars, ce ballon, il vient de Wish, il est totalement faux. C'est des fausses signatures. Il vaut quand même des sous, mais c'est quand même une bonne boîte. Pour le moment, les gars, ça vient de Wish, c'est sûr. Les gars, dans cette boîte, il y a encore un autre ballon. C'est un ballon soi-disant de la Champions League. Mais frérot, regarde. Ah ouais, ça se voit, c'est une couture qui se barre. Ça se voit, c'est un faux. T'as une couture qui se barre. Et en plus, le ballon de la Champions League, vraiment, c'est Adidas. Où tu vois du Adidas là? La marque Champions League. Ça se voit, c'est un faux. C'est faux là, c'est un faux. Deux paires de crampons de Wish. Wesh, c'est écrit en chinois dessus. Rockman en chinois, new chinois frère. Synthétique, je sais pas quoi. Made in China. Après, elles sont belles. 1, 2, 3, 4 barres les gars. Et Adidas, c'est combien? 3 barres. Ça veut dire vraiment, ils veulent pas se faire péter par Adidas. C'est vraiment de la contrefaçon et des faux crampons de Wish. Même la texture, elle est bizarre. Elle est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Tu sens que c'est du chinois. Moi, je pense, les gars, tu tires, le ballon il va en l'air. Et dans la boîte, vous étiez généreux, encore une autre paire de crampons. Tout droit venu du site Wish. Ça, c'est là, les gars. Là, j'espère c'est des vrais. J'espère c'est des vrais. Mais oui, il y a le logo Nike. Ah ouais, c'est des vrais. C'est ce CR7. Le logo Nike, c'est pas un logo Nike. C'est un boomerang. C'est un boomerang, les gars. Oh là là, j'ai même pas vu. La qualité de la chaussette, elle est dégueulasse. J'avoue, la boîte de Wish, les gars. C'est normal, il doit y avoir. Mais même, regarde le crampon derrière. CR7. Je peux tenir par la couture, le crampon. Regarde. Voilà. Normalement, il doit avoir une étiquette. Il y a rien, les gars. Les gars, peut-être je me suis pas fait arnaquer. Il reste encore un objet dans cette boîte. Peut-être ça va sauver ta boîte. Premièrement, les gars, il y a ça. Je sais pas ce que c'est. Un d'arbitre ou quoi? Des protège-tibas de Wish, les gars, dans cette boîte. Les gars, regardez-moi comme ils sont compressés, les gars. Wesh, c'est une dinguerie. Et derrière, c'est écrit comme d'habitude, les gars, en chinois, japonais, je sais pas c'est quoi la langue. On va ouvrir ça, les gars. Vas-y. Moi, j'ai envie de voir si les protège-tibas de Wish, ils résistent ou pas. Oh là là. Les rois, c'est des protège-tibas, ça. Mais c'est plus, hein. Non. Ça c'est des protège-tibias. Ça c'est quoi ça? Ça c'est des protège-tibias, ça. Mais je crois que ça protège rien. Ça protège pas. C'est pas des protège-tibias. Et dans cette boîte, les gars, le dernier objet, c'est un sac entier. Et j'ai l'impression que c'est un maillot de football. On dirait un maillot du PSG. Regarde, on dirait un ancien maillot. On dirait les vieux maillots du PSG. Ah, c'est un ensemble, c'est un short. Déjà, il y a un short. Déjà, il y a un short du PSG. Il est bien, on dirait PSG Jordan. Ok, pas mal. Et là, les gars, le haut, c'est parti. Oh les gars, Messi. Messi. Quoi, Messi? Le flocage, il est vraiment bizarre. Là, il y a écrit quoi? Paris, fabriqué en Chine. Ça vaut rien. Il est un peu mal fait. Il est tordu un peu le logo. Mais attends, il est où? Il y a pas le logo. Il y a même pas le logo. Il y a même pas le plus important. Les gars, le logo Nike, normalement sur tous les maillots du PSG, il n'y est pas. Ça signifie que ça vient totalement de Wish. Et le short, les gars, mais attends, le short, tout le temps, ils ont mis. Imagine, il n'y a pas le logo. Get la qualité. Pour moi, ils sont trompés, ils ont oublié de le mettre et sur le short, il doit y être. Il n'y a pas le logo. On est sûr d'une chose, ce maillot vient entièrement de Wish. Et pour voir, les gars, si la qualité de Wish est bonne ou pas, je vais porter directement tout de suite et je vais voir si à la fin de la journée, ça me gratte, ça me fait des trucs bizarres. Peut-être tout le temps, j'aurai des allergies. Sur la maintenant, peau. Il y a des punaises de lit dedans. Oui. Je sais pas ce qu'il peut avoir, les gars, mais en tout cas, on va le mettre tout de suite. Est-ce que ça taille comme un vrai maillot? Ah ouais, on dirait un vrai. Il est bien fait, hein. Mais les gars, ça commence à me piquer autour du cou. Moi, j'aurais pas eu confiance, les gars. Oh les gars, arbitre. Grosse bagarre, arbitre. Grosse bagarre. C'est bon, ouais, je suis tranquille, les gars. Regarde, le flocage n'est pas. Le flocage s'est barré. En tout cas, les gars, je vais porter ce maillot de Wish jusqu'à la fin de la journée et on va voir tout simplement si il va me faire mal, s'il va me faire des allergies ou pas. Et vous voulez que je vous donne sa plus grosse arnaque? C'est quoi? C'est que cette box de football Wish a coûté 500 euros. Quoi? Non, l'ensemble, les chaussettes, les crampons, les deux paires de crampons, les deux ballons, le maillot. Mais la vérité, tu revends même pas 30 euros. En vrai, ça aurait été du vrai, les gars, ça aurait valu. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma cagnotte passe directement à 500 euros parce que cette box que j'ai ouvert vaut 500 euros. Qui va être le prochain à tirer? Les gars, j'ai pas tiré. Vas-y, ça va avoir au moins 10 000 euros, les gars. Celle-là, elle a l'air bien énorme. Ah, il y a Medi Challenge. Je touche pas. Je vais prendre comme crypto le plus gros truc. Ça, là, je sais pas ce que c'est, mais je le prends, les gars. C'est quoi? C'est quoi ça? T'as tapé des peluches, frère. T'as tapé des peluches géantes. Ah les gars, c'est combien ça? C'est 30-40 euros, non? Attends, guette les dents et tout, ça passe bien, gars. La vérité, les gars, vous avez vu cette peluche? Elle est mieux faite que le maillot, c'est bon? Bah, pas aussi mieux ça. Guette comment c'est la qualité. T'as de la chance, frère. Parole. Les gars, faut dire les termes. Il a voulu faire comme moi, prendre le plus gros colis mystère de Wish. Malheureusement, t'es tombé sur de la D. Et ouais, mais moi, je m'y attendais pas. Moi, je pensais y aller avoir des trucs de fou. Peut-être une voiture, les gars. J'ai eu des dinosaures. Je vais faire quoi avec des dinosaures, moi? Après, tu vas les dresser? On rigole, c'est de la bonne qualité, ça. Je vais le revendre à un forêt. 200 euros facile. Momo Ali, t'as réussi à taper deux dinosaures. Mais est-ce que je peux te dire, frérot, t'as trouvé ça combien ces dinosaures comme ça? 200 euros, 300 euros. Abuse pas. Tu vois, la fête foraine, tu peux les avoir pour 100 euros. Mais ce que tu sais pas, c'est que sur Wish, frérot, c'est totalement chinois. Ça vaut 10 euros et 10 euros. Attends, mais y'en a, ils rigolent, t'as 0 euros. Mais t'es tranquille, les gars. Du coup, Momo Ali, sa cagnotte s'élève à 20 euros. Et après avoir ouvert une box mystère de Wish chacun, nos cagnottes s'élèvent à juste en haut, juste ici. Moi, c'est 500 euros. Et regardez leur cagnotte. Deuxième, les gars, j'ai troisième, tant que je suis pas dernier, ça me va. Moi, je commence dernier, mais les gars, c'est pas grave, c'est que le début, les gars.
Les gars, pour moi, mon avis, le jackpot, ça va pas être dans ces boîtes-là. Ça va être dans la grosse boîte qu'on va ouvrir à la fin de cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin, tu vas voir la plus grosse boîte mystère de Wish. Tape ta boîte en essayant de taper le jackpot. Les gars, je voulais reprendre une boîte mystère, mais je pense qu'on va taper plus gros. Moi, on est pas à quoi, c'est à cause. Moi, je prends pas à ça, prends celle-là, mon pote. La boîte, elle est complètement cellophanée. Ça, les gars, dès que j'ai une boîte comme ça, moi, c'était la box de foot à 500 euros. Ça sent du lourd, je le sens. 3, vas-y. 2, 1. Oh, les gars, elle est résistante. Rien. Posez tout. Laisse, c'est ma boîte, wow. C'est overboard. Non, mais c'est une trottinette électrique. Oh, c'est un buggy. Oh, y'a plein de trucs. Y'a plein de cartons. Les gars, tranquille, c'est ma boîte, les gars. Sa boîte, Vas-y, allez, on le laisse. On commence avec ça, c'est quoi ça? Wesh, un avion de l'armée, frère. Un avion radiocommandé, je crois. Oh, ça tue. Jure. Wow. Mais je suis bien, les gars, mais magnifique. Attends, c'est une dinguerie. Oh, comment il est bon. Le mode d'emploi est en chinois. Il est fait en polystyrène pour qu'il vaille plus vite, frère. Mais attends, regarde l'avion, il écrit quoi dessus? China Air, China Air Force. C'est l'avion de l'armée de Chine. Et les gars, Wish, c'est un site chinois. Venons, on l'essaye. Bon, les gars, on va l'essayer. Ouais, attends. Est-ce qu'ils sont puissants que les hélicoptères de notre format? Ma porte, je sens le vent. 1, 2. Get Ouais, la dégris. Reviens. Il a tué d'alarme. Oh les gars, il a trouvé une boîte mystère de Wish. Il a tué dans l'arbre l'avion. Attends, attendez le bruit. Il est à gauche. C'est lui qui le quille et c'est lui qui va au charbon. C'est le gros. Oh les gars, c'est dur à piloter, mais on peut pas. Après être complètement penché dans un arbre, on va voir s'il marche encore. Normalement, c'est la qualité Wish, il devrait plus marcher. Wouah. Les gars, j'ai jamais vu un avion comme ça qui marche aussi bien. Oh, il est magnifique, les gars. Ouais, attends, c'est pas fini, les gars. Il est resté une boîte dans la box. Là, de la journée, pour l'instant, c'est la meilleure. Quoi? Ouah, y'a dinguerie. Il a eu un des meilleurs colis, les gars. Faut dire la vérité en vrai. Ah, les gars, celui qui veut un dinosaure, dites-moi dans les commentaires. Je l'envoie par la poste direct. C'est parti, les gars, Mini Crypto. Sa boîte était pas finie. Tu vas couper quoi, ton avis? Vas-y, laisse-moi ouvrir tranquillement. Sois pas jaloux. C'est quoi? C'est pas. Non. Ah, ça, c'est les trucs qui vont sur Mars. Oh, les gars, je suis refait. Mini Crypto, il a tapé une mini voiture, les gars. Ouais. Elle a l'air d'aller vraiment super vite. T'es prêt au test? Je suis prêt, je mets puissance max. 3, 2, 1. Oui. Mini Crypto, elle a réussi à taper cette voiture. Elle a l'air vraiment d'être super puissante. Elle est trop puissante, t'es d'accord? Regarde. Oh, les gars, sur le mode d'emploi, il y a marqué que tellement elle est puissante, c'est interdit de conduire avec sur la route. Parce qu'elle peut faire des accidents tellement elle est puissante. Ça vient de Wish, c'est sûr que c'est propre. Parce qu'en France, c'est interdit. Ouais, c'est interdit, c'est sûr. Donc c'est sûr. Oh, les gars, la voiture, elle va au moins 60-70 km/h. Ouais, c'est sûr. La mini voiture de Mini Crypto est juste ici. On va voir, les gars, si elle est vraiment surpuissante si elle dépasse cette pente. Elle est folle la voiture, elle est folle. C'est quoi cette voiture? C'est sûr que cette voiture, elle est chinoise, elle vient de Wish. Regardez-moi là, le chétan, elle a le démon, les gars. Devant vous, il y a deux boîtes, une vraiment pas chère à 7,50€ et une super chère à 750€. Jure. Et là les gars, je vous dis éternel, vous avez une seule chance, chacun doit choisir une boîte. C'est à mon tour. Prends la grande. Au début de la vidéo, j'ai pris une petite, je me suis fait arnaquer. Là, je prends la grosse. Non, vas-y, laisse-moi prendre la grande, frère. Allez, à moi la grosse. Simon Mali, tu prends la petite, Zach la grande. Ouais, mais non. On va voir qui va avoir la boîte jackpot ou qui va avoir la boîte où il y a absolument des trucs super nuls dedans. Un des deux va être en jackpot, un des deux va être en total hess, les qui gars. Tu dis grosse boîte, dis grosse valeur. Des mains, elle est légère, frère, purée. Minimum 50 kilos, les gars. C'est bon, les gars, vous allez ouvrir. Let's go. C'est ça que c'est à cause, on va commencer par ouvrir sa boîte mystère de Wish. On sait pas combien elle est. C'est parti, let's go. Ah, comment elle est lourde, c'est sûr, les gars. Vas-y, on va voir ça. Les gars, t'as rien, frère. Moi, c'est quoi ça? Frère, c'est que des bonbons. C'est quoi ça? C'est que des bonbons. Sous de moi. Mais la vérité. Mal arnaque. Mais c'est quoi ça? Ah, t'as acheté du diabète. T'as acheté du diabète, frère. Les gars, y'a que des bonbons géants. Pizza géante, hot dog géant. 50 kilos de bonbons. Jake, tout ça pour ça. Hamdoulay, j'ai pris la petite boîte. C'est la boîte à 7,50€. Comment c'est pas 7€ de bonbons ça? Y'a 60 kilos de bonbons. Non, mais c'est pas. A mon avis, ces bonbons tellement ils sont dégueulasses, ils doivent coûter même pas 10 centimes. Ah bon, ma parole. Ah les gars, il s'est fait arnaquer. Ma parole, c'est à tout moment, c'est des bonbons qui viennent tout droit de Chine, de Wish. Et oui, mais pourquoi tu l'as mangé? Mange pas. Crash. Vous savez ce qu'on dirait? On dirait de la pâte à modeler. Mais là, tu le gardes, moi je le prends, ce carton. Chaque boîte. Non, moi je le garde, tu prends ce carton. T'avais dit, fallait changer. J'ai la bonne boîte. J'ai la bonne boîte. Zach a eu la boîte de Hess à 7,50€. Je pense à mon avis qu'à 75 bonbons, chacun doit coûter 10 centimes. Moi je suis content pour toi. Tu vas au marché, tu le revends 1€ unité. Et maintenant, ce que je propose, c'est d'aller voir tout de suite dans la boîte de Momo Ali. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parti.
logiquement, mon Ali, cette boîte coûte 750€. 750, t'es pas énervé un peu? Vas-y, la boîte elle est crinée. T'es pas énervé? Et on va voir ce que ça vaut, 750€ sur le site wish.fr. C'est parti, Momo, ouvre-nous ça, gros. C'est parti, let's go. Oh, elle est bien cellophanée, frère. Plus proche d'Amazon que de Wish, là. J'ai une casque Apple. Oh, les gars, j'ai une casque Apple. Qu'est-ce que je fais mon casque, frère? Il est fou, lui. Ah, les gars, j'ai eu un casque. Vu que je suis un bon guet, il y en a deux, les gars. Il y a deux casques, les gars. Il y en a un, il y en a deux, les gars. Comme c'était pas assez, il y a quoi? Des AirPods Pro, les gars. Oh, j'ai toutes les couleurs de casque Apple, les gars. Oh là 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 là. Ça veut, tiens. La vérité, tu me fais pitié. Tiens, un petit AirPods Pro. Tiens. Dans deux semaines, elle va exploser à ses oreilles. C'est bon, c'est bon. Donc là, les gars, maintenant, on sait ce qu'il y a dans la boîte. À 750€, c'est une boîte entièrement Apple. Momo Ali a eu 3 paires d'AirPods Pro comme ça. C'est des AirPods Pro de Wish, ça se voit. Parce qu'ils sont super légers, mais ils sont vraiment bien faits, frère. Les gars, oh, moi, je prends. Faux, vrai, je prends. En plus d'avoir eu des AirPods Pro, Momo Ali a eu des AirPods Max. C'est le casque de chez Apple qui vaut plus de 600€. J'en ai pas eu un, j'en ai pas eu deux. J'ai eu 3 de chaque, les gars. Il a eu toutes les couleurs, les gars. Si lundi je veux mettre le rouge, mardi je veux mettre le gris, mercredi je veux mettre le violet, je mets ce que je veux. Viens, on l'ouvre juste pour voir la qualité un petit peu. Bah, si il marche. Viens, on essaye. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il marche? Faut essayer directement. Après, les gars, je fais le malin, mais s'il y a rien qui marche, ben ça sert à rien, toi. Moi, je pense que ça marche, mais ça va être vraiment la qualité chinoise de Wish, les gars. Parce que tout ça, ça vient du site Wish. Et Wish ne vend pas de vrais produits Apple. Ils vendent que des trucs chinois. Félicitations à toi. Je suis bien. Euros, je me suis mis bien. La boîte d'AirPods Pro de Wish est juste ici. Et on va déballer tout de suite pour voir si, franchement, s'ils sont bien faits ou pas. S'ils sont bien faits, c'est une dinguerie, frère. En tout cas, ta boîte, elle a valu 750€ sur Wish. Déjà, on dirait vraiment Apple, les gars. C'est directement comme ça à l'intérieur. Pour ceux qu'on a acheté, les gars, c'est tout pareil. C'est exactement pareil. T'as tous les papiers. Là, t'as la petite protection, les gars. Et franchement, wesh, c'est une dégueu. Franchement, c'est qualitatif, hein. Frère, c'est qualitatif de fou. La boîte, elle est juste ici. Il y a même le chargeur et tout. Ils ont tout fait comme Apple. Mais ils ont vraiment tout. T'es sûr que tu l'as pas acheté sur Apple, ça? La vérité, tout vient de Wish. Regardez-moi ça, les gars. Ces AirPods, ils sont juste ici. L'arrière, les gars, il est comme ça. Et à l'intérieur, on va voir les AirPods. Mais c'est une dinguerie, frère. Ouais, ils sont clean, hein. Ça veut dire sur Wish, on peut acheter la contrefaçon du fake comme ça. Papa. Mais après, est-ce que le son il marche? Mets-moi du son. Non, ça marche pas. Les gars, ces AirPods là ne marchent pas du tout. On dirait vraiment des vrais de A à Z, mais on a fait la musique dessus et ça ne marche pas. C'est un arnaque, frère. Même pas 5€, les gars. Vraiment, il va le rendre même pas 5€. Le casque AirPod Max, celui-là, j'espère pour toi qu'il marche parce que franchement, moi, je mise tout sur celui-là. Les AirPods, les gars, c'était pas ça. Mais là, si ça déjà, marche. Est-ce qu'il est bien fait déjà? Parce que c'est un faux. La couleur, elle est bizarre. Mais c'est quoi ça? Normalement, c'est rose un casque AirPod Max. Ça va, il est pas mal. Il est vraiment pas mal, les gars. Il est qualitatif, hein. Normalement, le casque Apple, les gars, je les ai essayés à la Fnac. Ils sont confort de ouf. Là, les gars, mon oreille, elle rentre pas. Il y a un bout qui ressort à chaque fois, les gars. Ah, c'est quoi cette dinguerie, frère? Je vais essayer de le mieux pour que ça marche. Get, tu sens pas ton oreille rentre pas? Déjà, il marche. Il marche? J'ai entendu Bluetooth mode. Ça veut dire qu'il marche. Momo Ali a tapé une boîte Apple de Wish Mystère. Et du coup, il a eu 3 AirPods Max et il s'est mis bien. Ça fait 750€ en plus dans ta cagnotte. Franchement, t'es Gucci. Après, 750€ qui marche pas. Mais est-ce que je t'ai mis un trou dans la cagnotte? Mais alors, moi j'ai des bonbons, je peux les manger. Toi, tu vas faire quoi avec tes AirPods qui marchent pas? Zach, les gars, il a vraiment eu pour 7,50€ de bonbons. Donc, Zach, t'as eu des bonbons, 7,50€ dans ta cagnotte. 50 kilos. Ouais. On va enchaîner tout de suite avec la prochaine boîte. C'est parti. Et ça va être au tour de mini crypto d'attirer. Il y en a qui sont mis bien, c'est à mon tour d'ouvrir cette méga boîte, c'est quoi? Je peux te dire que pour cette boîte, t'auras sûrement besoin d'un pied de biche pour l'ouvrir. Les gars, c'est une boîte en bois. Et qui dit boîte en bois souvent dit gros lot et surtout l'eau précieuse. Parce que les entreprises, dès qu'elles envoient une boîte en bois, c'est vraiment pour pas que l'objet dedans se casse. Et du coup, c'est vraiment pour des objets fragiles, précieux, les gars. Exactement. Mini crypto, c'est parti, hein. Tiens le pied de biche. Les gars, déjà, qu'est-ce qui est écrit? C'est qu'il y a écrit que ça vient de Shanghai. Shanghai. Maman. DDP. Ah, ça vient vraiment de loin. Donc ça vient vraiment de super loin, les gars. Imagine, c'est des armes. Ouais. Imagine juste si c'est un animal ou quoi dedans. Attends, toc. J'espère qu'il est vivant. Non, il est mort si c'est un animal. Ouais, moi, pour moi, c'est une arme. Allez. Ah, 3, vrai, les gars. 2, 1. Wouah! C'est à moi, c'est tout. C'est quoi cette dinguerie? Bordel, frère. Il y a un seul truc dans la boîte, les gars. Si je te dis, c'est une arme. Les gars, dans tous les pays du monde, cette couleur, c'est la couleur de la dynamite. Un pétard ou quoi géant. Il y a quoi là? Imagine, c'est un missile ou un truc comme ça. Les gars, il y a une dinguerie. J'ai ouvert vite fait ici. Et regarde le truc en vert qu'il y a. Attends, c'est à moi. Il y a une mèche. Bah attends, c'est ce que je parle. Comme pour un pétard. Faut l'allumer. On l'allume, t'as américain. C'est un pétard de Wish. Imagine, tu l'allumes, la mèche, elle pète dans toi. Non, c'est fait exprès de le mettre là. Faut l'allumer, les gars. Ici, les gars, c'est un des plus gros pétards de Wish. Et je peux vous dire quelque chose, il vaut 250€. Cette caisse vaut 250€. Et un pétard vaut 250€. C'est le pétard le plus gros que j'ai vu de ma vie. Vas-y, laisse-moi le, c'est bon, moi je veux pas l'utiliser. Moi j'ai tout le temps rêvé dans ma vie de savoir sur Wish est-ce que les pétards sont faibles ou pas. Alors allume. Qui sont tes responsables, toi, Calvin? Ouais, c'est toi le responsable. Non, non, c'est ton pétard. C'est toi le responsable. Ouais, ah, c'est toi et Mini. C'est lui, sa cagnotte, t'avais demandé 250€. Tant que c'est pas moi, c'est l'allume là, il radio. Oh purée! Arrêtez! Mais voilà, ils sont partis aussi! Les gars, je crois que c'est pas normal que ça fasse autant de fumée. Regardez la fumée! C'est un pétard de Wish! À 250€, les gars! Et Mini Crypto, il a tapé dans sa cagnotte, c'est pétard. Waouh! Ça m'a brûlé!
Les gars, c'est quoi ce pétard chinois? Il a duré pendant 2 minutes. Les gars, on vient de faire péter le pétard le plus gros de tout le site Wish. Le plus gros que j'ai jamais fait péter de ma vie. 250€ pour un seul pétard. C'est dingue. Pas malheureusement, du coup, t'avais 250€ dans tes mains. Ouais, t'as gagné 250€ dans la cagnotte. Et malheureusement, son pétard est entièrement utilisé. Mais c'était beau. Sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de passer à la boîte que vous entendez tous depuis le début. La boîte géante. 3, 2, 1, let's go. C'est parti. Ça, c'est la plus grosse boîte mystère que j'ai pu trouver sur Wish et elle m'a coûté 1000€. Il reste plus qu'une boîte avant d'ouvrir la plus grande boîte mystère de tout le site Wish qui est juste derrière nous. Et vu que c'est l'avant-dernière boîte, on sait déjà c'est quoi le prix. Cette boîte fait actuellement 100€ et on va voir ce qu'on peut avoir pour 100€ sur le site Wish. Zach, t'es prêt à l'ouvrir? Vas-y. Les gars, on va l'ouvrir ensemble. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de totalement nul? Déballe-moi ça. Déballe-moi ça, tu veux ouvrir? Ouais, j'espère avoir de la chance, je me suis fait arnaquer toute la vidéo. Ouais, j'ai une cagnotte à 0€ presque. Déjà, la couleur elle est rouge. Moi, c'est rouge, les gars. On dirait une boîte à chaussures, les gars. C'est une boîte à chaussures, c'est sûr. Moi, il y a marqué quoi? C'est moi, les gars, Nike. Attendez. Attends, mais elle est déchirée. Attendez, la boîte. Elle est bien tapée, on dirait. C'est une boîte Nike, les gars. Ça se voit, ça vient de Chine. Les gars, regardez-moi ça. Maman, c'est une vraie paire, les gars. Vas-y. Est-ce que sur Wish Nike c'est vrai ou c'est faux? Pour moi, il y a que du faux sur Wish. 3, 2, 1. Mais t'es un Atlantin? Mais c'est l'Atlantin, ça! Mais attends, c'est quoi cette paire? Mais quelle est la couleur? Ah! Mais c'est quoi cette paire de fou? Regardez-moi le sac dans lequel ils me l'ont donné. C'est un sac pour aller faire le marché, les gars. Mais tu sais, ça vaut combien en vrai? Ça vaut combien? 1000€ au moins, je crois. Les gars, soi-disant, c'est un Atlantin la plus chère du monde. Ça vaut 100€ sur Wish. Regarde, ils ont mis les papiers des snacks dedans. Ah ouais, c'est écrit ATL. ATL. Les gars, c'est la Tendinox Stack. Elle vaut 1000€. Et sur Wish, on peut l'avoir pour 100€. Vous voyez très bien, la qualité, elle est vraiment dégueulasse. Regardez, il y a déjà eu des petits trucs, des petits poils qui sont barrés dans la truc. Je la revends même pas 20€, je crois. Les gars, au moins, vous avez une fausse paire de TN et en plus de ça elle est mal faite, totalement de la contrefaçon. Vous l'avez entendu tout le long de cette vidéo et grâce à ce pied de biche on va enfin pouvoir ouvrir la plus grande boîte mystère de tout le monde. Ça tue les gars. On va l'ouvrir, ouvre là. On attendait que ça les gars. Elle vaut 1000€. Le plus cher. C'est à moi, c'est moi, c'est pour moi aussi. C'est pour nous tous, c'est pour nous tous. Ok, c'est le lot les gars qui est à l'intérieur, on va se le partager. Let's go. Ah je peux, on va pas se faire arnaquer. Faut l'ouvrir au pied de biche parce que cette boîte elle est entièrement en bois les gars, comme vous pouvez le voir ici. Du coup on va l'ouvrir, c'est parti. Pour rappel, je sais pas du tout ce que cette boîte Wish contient, je sais juste m'a coûté 1000€ et que la livraison, tellement la boîte est grosse, m'a coûté 500€. 500€ ? 1000 cryptos en train de défaire le dernier clou de cette boîte. Vas-y, pète tout. C'est parti. Vas-y. 2, 3, 2, 1. Lâche, lâche. Il est totalement neuf. Il brille, il brille. C'est quoi? C'est 1000€. C'est 1000€. C'est 1000 balles. Ouais. C'est trop stylé. Regarde la couleur de fou, les gars. La couleur, on dirait une couleur GTA, frère. Ce truc monster, à mon avis, les gars, ce truc monster, c'est un faux. Mais sinon, tout le reste du quad, il est incroyable. Le code de Wish à 1000€ est juste ici. On va essayer de voir s'il marche ou pas. Pour le moment, j'ai entendu qu'il marchait. Mais on va bien essayer, les gars, c'est parti. On a rempli d'essence. On va voir si les quads de Wish sont bons ou pas pour 1000€. T'as des marques, quoi. Elle a l'air d'avoir de la patate. Oh, c'est vraiment hein, pour 1000€, les gars, c'est un truc de fou. Hein, la quoi, vérité, surtout sur Wish. Noël ah, et c'est tout. De Wish, les gars. Pour Noël et tout, ça régale, les gars. Les gars, c'est une dinguerie, les gars, le quad. Il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un quad de fou. Les gars, j'ai testé la puissance pendant même pas 10 secondes. Ouais. Elle m'a choqué. Laisse-moi tester. Les gars, est-ce que vous pensez que sur Wish, on pouvait trouver des trucs comme ça? Des trucs à 1000€, des quads, etc. Regardez-moi ça. Ah les gars, elle est possédée les gars. Ah, juste à tes mains sur le guidon, elle avance tout seul. Ah, c'est une dinguerie. Dans cette vidéo, on a ouvert les plus grandes boîtes mystères de Wish et j'ai réussi à avoir un code à plus de 1000€. Et si tu cliques en haut à droite, on a fouillé les poubelles des plus grands magasins de football du monde et on a trouvé que des dingueries. Alors clique en haut à droite, tu vas kiffer.